Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de liner pailleté et de fard liquide pailleté. La paillette, quoi. Encore une vidéo à pitouille. Donc, vous avez déjà eu ma collection en détail de blush. Je crois que c'est tout pour l'instant, mais ça va venir à la suite après. Hein. Voilà. Ce make-up, je vous le mets en barre d'infos. C'est pas du tout avec les produits que je vous présente. C'est une autre vidéo avec des produits Révolution. Voilà. Mais vous voyez que ça fait des jolis liners pailletés aussi. Bref, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc, mon petit rangement avec mes liners pailletés et mes fards à paillettes, mes fards liquides, que je me sers également en liner pailleté. Hein. Donc ici, on a les liners et ici, les fards. Voilà, principalement du petit B, je vous l'accorde. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Écoutez, je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures. On va attaquer. Donc, on fait par tiroir, ça sera beaucoup plus simple. De toute façon, ils sont rangés par marque avec mes obsessions. Donc, je commence par les deux que j'ai en pot, que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Glam Shop, qui sont donc de chez Glam Shop. Je vais prendre un pinceau biseauté. Alors, je remonte ma manche pour faire les swatchs. Oui, parce que vous allez avoir droit aux swatchs, les amis. Parce que je suis quelqu'un de merveillable. Alors, attendez, je vais le faire moi et puis je vous montre. Et franchement, ils sont très bien, ces petits pots-là. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien les reflets des plus clairs, mais j'essaierai de vous faire un zoom à la fin. Donc celui-ci, il est un peu doré, rose gold, comme ça. Il est sublime et ils sont hyper crémeux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça quand je les ai testés. Et on en a un dans les teintes vertes. Trop beau. Magnifique, magnifique. Alors, je le fais à côté. Donc j'essaie de les faire assez épais pour que vous puissiez voir correctement. Voilà pour les deux Glam Shop. Alors, on va rester dans l'esprit collection calendrier de l'Avent avec les trois de chez H&M. Donc, c'est des mini, mais ils tiennent quand même pas mal longtemps. Hein. Les premiers que j'avais eu, je les avais utilisés quand même pas mal de temps. Et voilà. Par contre, le pinceau, il est kiki. Donc, pour en prélever, il faut insister un peu. Beaucoup. Donc, je vais vous faire les swatchs G3 et vous montrer ça. Donc, on a un premier qui est à base blanche avec des paillettes multicolores. Il y en a un rose et un argenté. Donc, le premier, vous n'allez absolument pas le voir. Vous verrez juste peut-être quelques petites paillettes. Alors, je ne sais pas lire les teintes après des autres. Là, il n'y a pas de teinte. Hein. Voilà pour les trois suivants de chez H&M du calendrier de l'Avent. Alors, j'en ai deux de chez Rue de Cosmétiques. J'ai le Prisme et le Beaming. Celui-ci, je l'ai eu en swap avec Manon. Je l'ai testé il n'y a pas tellement longtemps. Enfin, je l'ai utilisé dans une des vidéos, dans une des oh, avec la palette Martine. Alors celui-ci, je le trouve un peu moins opaque en paillettes que celui-ci par exemple, ou que les autres marques que j'ai. Mais après, ils sont très beaux et les pinceaux sont pas mal. Donc l'autre, c'est juste des paillettes. Hein. Ouais, je vous ferai un petit close-up mieux quand j'aurai terminé, au moins les liners. Alors, j'en ai 6 de chez OPV, que j'aime beaucoup ces petits liners-là. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne sais pas lire les teintes. Je sais juste que celui-là, c'est le Champagne Fantasy. Peut-être qu'avec mes lunettes, j'y arriverai. Donc, on a... le Champagne Fantasy, j'avais raison. Le je crois que c'est non, Bim.
C'est impossible à lire hein, sur certains. Je regarderai les teintes sur internet si je les trouve et je vous noterai. Parce que c'est juste incroyablement difficile à lire. Je sais juste que celui-là, c'est le Champagne Fantasy. Voilà, c'est le seul que j'ai retenu. Ah non, le bleu, c'est le Tease, je crois. Tease Me ou Tease, un truc comme ça. Alors, j'aime beaucoup ces liners. J'aime un peu moins le pinceau, mais je trouve qu'ils sont super opaques. C'est pas mes préférés. En plus, ils sont pas donnés. C'est pas du tout mes préférés. Mais mes préférés sont dans le tiroir suivant. Donc là, je vous fais tous les swatchs. Je vais avoir des paillettes partout. Par contre, alors ça arrive souvent sur les liners OPV. Et c'est extrêmement chiant. Les pinceaux sont un peu plus épais que les autres liners que j'ai. Donc ils sont un petit peu moins précis. Après, les paillettes dedans sont toutes les mêmes. Contrairement aux autres que j'ai, que c'est des paillettes de plusieurs tailles et de plusieurs reflets. Ça me fait penser que celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, le marron. Donc voilà pour le premier tiroir et on a les OPV qui partent d'ici jusque là. Voilà. Ils sont très beaux. Alors, en deuxième, il me reste un de chez Kiko qui est le 02. Ouais, c'est bien ça. Ils n'ont pas de teinte. Mon préféré, c'était le 01. Il faudrait que j'aille me le racheter, mais j'en ai des qui lui ressemblent vraiment pas mal. Donc là, on est de nouveau sur un argenté. Ça a été les premiers liners pailletés que j'ai achetés et que j'ai beaucoup utilisé. Hein. Vous pouvez voir, il reste ça. J'en ai acheté deux récemment chez Shiglam et my god, ils sont canons. J'adore la pointe. Ils sont géniaux. On a le Disco Ball et le VIP. Je pense que je vais me prendre les autres teintes. La pointe ici, elle est en silicone, mais alors elle est super fine. Et du coup, elle est hyper précise et elle prélève bien les paillettes. C'est incroyable. J'adore. Donc, les deux ici. Et ensuite, on a mes préférés. Alors, je ne les ai plus tous, les BIM. Attendez. Ça c'est les W7. Il me reste 3 BIM chez Focalure. C'est dès que j'avais réussi à rechoper sur AliExpress. Donc on a le Platinum, le Galaxy et le Améthyste. Et ceux-ci ont plein de paillettes différentes, de plusieurs tailles, de plusieurs reflets. Ils sont vraiment canons. C'est juste la texture qui est un peu bizarre, mais. Ils sont géniaux. Après, ils sont dispo sur le site de Focalure lui-même. Hein. Je vous remets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Il faudrait que je leur demande un peu si je peux pas avoir un code promo pour vous sur ce site-là. Oh, le bleu. Oh, il est sec. Alors, en plus, je suis presque au bout. Celui-là, c'est un vieux, c'est même pas un backup. Bon, ben, celui-là, je peux pouvoir le jeter. Il est trop sec. Encore un en moins. Donc, les trois ici. Et pour terminer, alors mes préférés, de chez préférés, de chez préférés, les W7. Vous voyez que c'est pas du gros tarif, hein, mais je les adore. Donc, on a ici le iridescente. C'est le seul que je connais le nom. Les plus chers, c'est les OPV. Ou peut-être les rudes. Non, il me semble que c'est les OPV. OPV, c'est pas donné. Hein. Mais je les aime tous, mes liners. Vous savez à quel point je les aime. On a celui-ci qui est juste magnifique. Ça venait d'un trio. D'ailleurs, il ressemble pas mal au Disco Ball de chez Shiglam. Pas tout à fait, mais un petit peu. On a dans les teintes violettes. Et le dernier qui est un peu plus dans les teintes, un peu pêche quartz comme ça, avec des petites paillettes vertes. Trop beau, magnifique. C'est vraiment mes préférés avec les BIM et les Shiglam. Donc ici.
Trop beau. Et celui-là, il ressemble pas mal au. Non, c'est le ici, au Disco Ball. Il est juste un peu moins opaque. Et celui-là, paix à son âme, il est décédé. Alors, avant de nettoyer mon bras, je vais vous swatcher les 2-3 multichromes que j'ai. Puisque oui, j'en ai quelques-uns, pas énormément. Ceux-ci, il me semble que c'est des multichromes aussi. Bon, après, j'arriverai peut-être à tout swatcher sur le bras. Hein. Ouais, on va faire les multichromes ici et je ferai les fards pailletés. Donc, j'en ai deux de chez Essence qui sont plutôt pas mal. Je sais pas lire les teintes, c'est. Ici, c'est Oh My Gnome. Ouais. Ah non, c'est des embouts mousse comme ça. Donc, j'avais dit ici les fards multichromes. Mais moi, je les prélève alors à ce moment-là avec un pinceau liner et je m'en sers comme liner chrome ou pailleté avec les autres. Je mettrai mon bras dans ce sens-là pour vous faire les swatchs. Ils sont déjà secs. Ouais, ça va plus être possible de les utiliser en liner. Parce que si c'est trop sec, on ne sait pas les travailler. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est très joli. J'en ai un de chez Holographic Eyeshadow Topper de chez Barry M. C'était Manon qui me l'avait envoyé celui-là. C'est le Supernova. Il me semble aussi qu'il a des reflets un peu holographiques. Je ne sais pas bien vous montrer. Mais il en a, je vous jure. Encore un que Manon m'avait envoyé de chez. Je ne sais plus la marque. Attendez. Je ne sais pas lire la marque et je ne sais pas lire la teinte. Il ressemble à ça. Et il est très joli. Je ne l'ai jamais utilisé. C'est malheureux, mais. En fait, j'utilise tout le temps les deux que je vais vous montrer juste maintenant. J'ai le Scarab, donc ça c'est Marie qui me l'avait envoyé, c'est le Scarab je crois de chez les Chromium de chez Natacha Denona et Oh My God. À côté des essences, les essences sont caca. Hein. Il est juste sublime. Magnifique, je l'adore trop. Et Dan et Samirik, je sais pas lire la teinte. Mais c'est celui-ci dans les teintes vertes, violettes, comme ça. Pareil, il est trop beau. Et ces deux-là, pour les travailler en liner, c'est juste de la bombe, quoi. Voilà. Bon, vous voyez pas bien les reflets, mais par contre, bon, les deux essences, pareil, je peux les jeter. Ils sont foutus. Alors, j'en ai deux qui ne sont pas de chez Beauty Bay, et le reste, c'est que du Beauty Bay. J'en ai un de chez Focalure. Celui-là est très vieux. C'est le Diamond, mais je l'adore, il est trop beau. Pareil, en liner pailleté, ou même sur la paupière. Il est juste sublime, quoi. Oh, trop beau. Magnifique. Et j'ai le Bambi, comme ça, de chez Yanzi, que j'avais testé dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je vous remets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos. Que Maryse m'avait offert pour mon anniversaire et oh my god, c'est également de la bombe atomique. Et là, c'est que des paillettes, hein. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de reflet un peu métallique holographique, mais alors les paillettes sont divines. Je vais reprendre un coup dedans. Gros coup de cœur sur ce petit produit là. Il est ici. Trop beau. Alors, on va passer au Beauty Bay. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a plusieurs kits mélangés. Je sais qu'il y a le Polaris dedans, que c'est Manon qui m'avait offert. Donc, je ne sais pas lire les teintes. Hein. C'est toujours pareil, c'est le gros problème. C'est que même avec mes lunettes, je ne sais pas lire parce que c'est écrit trop petit sur fond. Trop. Il devrait mettre un petit autocollant avec le nom. Sur fond blanc, quoi. Donc, voilà le premier. Je vous l'ai fait dans l'ordre. Hein. Ici, c'est le Opal. Celui-là, je sais le lire parce que le truc, il est plus clair, le produit. Et c'est un de mes préférés aussi.
ici. Ici, c'est le Rutile. Je crois que c'est Rutile. Ça, c'est les premiers qui sont sortis. Je les ai pu acheter après parce que je les utilise pas assez par rapport au liner. Et quand vous faites juste du liner avec, ça fait des très grandes quantités à utiliser. Celui-ci, je sais pas lire, mais il fait partie du kit Polaris. Après, il y a moyen de faire des make-up complets juste avec ça. Il est sublime, tu vois. Je l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Alors, je vais ranger mon petit portefeuille. Mon gros portefeuille. Et les derniers. Ici, c'est le Peach Quartz. Vous voyez, quand c'est écrit en... Quand les phares sont clairs, j'arrive à lire. Comme son nom l'indique, c'est un Peach Quartz. Il faudrait que je ressorte un peu ces trucs-là. Un de mes préférés, qui est le Precious Topaz. Pareil, il a des reflets de malade. Trop beau. Celui-ci, je crois que c'est le dernier du kit Polaris, le Malachite. Malachite, Malachite, je sais toujours pas comment on dit. C'est un vert un peu émeraude, bleuté, je sais pas trop le décrire. Magnifique. Bah, ils sont tous magnifiques, hein, forcément. Le Améthyste, je crois que c'est. D'après ce que je sais lire, enfin ce que je crois déchiffrer, il faut vraiment que je ressorte un peu mes phares comme ça. Je vais vous montrer de plus près, ne vous inquiétez pas. Le fluorite, celui-là je connais le nom. Oui, c'est bien ça. Je vérifie quand même parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il fait partie aussi de mes préférés. Ben là, c'est mes trois préférés. Oh. Le Moonstone. Vous voyez, je reconnais encore les teintes. Pourtant, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et celui-ci, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Magnifique. Et le Sélénite. Celui-ci, il est un peu plus grumeleux. Pourtant, c'est un des plus récents que j'ai eu. Hein. Bon, après, ça date. Il est ici. Donc, je vais essayer de vous montrer ça quand même de plus près. Bon, je recommence puisque j'ai oublié d'enregistrer. Donc, voilà pour tous mes liners pailletés et mes fards liquides pailletés et multichrome. Vous voyez que c'est vraiment de la bombe. Voilà, voilà. J'adore ça. Après, elle n'est pas la reine de la pétouille qui veut. Hein. Voilà. Maintenant, pour nettoyer ça, courage. Donc, on se retrouve bientôt avec les liner cakes. Donc, je ne pourrai pas vous faire les swatchs de tous mes liner cakes puisque j'ai quasi que des palettes et j'en ai énormément. Mais je swatcherai ceux que je préfère, les plus beaux et tout ça, ou ceux que j'aurais pas encore testé, par exemple, bien qu'il y en ait de trop. Mais voilà, on trouvera pour faire quelques swatchs, mais pas tous. Et ensuite, je vous regrouperai. Je crois que ceux-là font déjà partie du regroupement. Je vais essayer de temps en temps de faire la semaine complète en intercalant le mardi, le jeudi et le samedi, ça en bonus. Comme ça, ça va pas trop. C'est pas trop long dans la durée pour attendre la suite de ma collection. Surtout que ma collection change, grandit surtout au fur et à mesure des mois. Donc voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a fait découvrir quelques produits. Dites-moi en commentaire lesquels vous connaissez et lesquels vous ne connaissez pas. Ceux qui vous font envie, ceux qui ne vous font pas envie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.